Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue, les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On l'a retrouvé, le chien, le complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Ah, quelle ironie que ce jeu sorte en cette période de pandémie, en plein confinement, c'est la vie. Bonjour tout le monde, c'est Rix Project, et aujourd'hui, bah vous l'aurez compris, c'est Resident Evil 3 Remake. Alors, je vais tout de suite le dire, le premier jeu Resident Evil auquel j'ai touché, c'est le remake du 2. Avant, j'avais essayé le 1 remaster et le 0, mais j'ai tenu 10 minutes sur chacun, j'accrochais pas du tout. J'ai adoré le remake du 2, et pour celui-ci, ben, le 3, c'est celui au sujet duquel je connais le moins de choses. Je sais juste qu'on va se faire courser par Nemesis tout du long, et qu'on joue Valentine, qu'on croise quelques personnages, et c'est tout. Et bordel de merde! Le moteur de ce jeu, il me tue. Il me troue le cul. Si je puis me permettre. Alors, bien sûr, on est en période de confinement. Alors, j'espère que ça se passe bien pour vous. Personnellement, ça commence le soir à me porter un peu sur le système. Pas tant que ça me dérange de pas pouvoir me balader comme je veux. Je suis un ermite, limite. Mais plutôt qu'on nous casse les pieds toute la journée, depuis 2 semaines, voire 3 même, avec les mêmes infos. Le virus, c'est bon les gars, on est au courant. Voilà. Et on n'en est pas encore au stade de Raccoon City, heureusement. Ça... Alors, je cherchais des preuves... Alors, Jill Valentine, ouais, c'était dans le 1, qu'elle était sortie du manoir. Ok. Mais là, putain, l'intro claquait. Noir et blanc, elle est en post-traumatique? La syndrome post-traumatique? Je ne sais pas. Raccoon Times. Elle fait un cauchemar. Il va y avoir un zombie. Connerie du genre. Ouais.
Et pas de conneries, hein. Ok, c'est un cauchemar. D'un autre côté, vu ce que t'as vécu, ça se comprend, quoi. On cherche les preuves, tout ça. Trois jours, et je dis adieu à cette ville. Pire mois de ma vie. Escape Raccoon City. Oh là là. Non mais c'est prémonitoire. Attention les gars, hein. Attention. D'ici la fin du mois, il va y avoir des zombies dans les rues. Sauf que ce sera pas à cause du coronavirus, mais... À force d'avoir vu de la télé-réalité pendant des semaines et des semaines, les gens... cerveau... Voilà. Alors l'ambiance est vraiment bien retranscrite. Je connais vraiment pas hein, le lore du... Enfin déjà, le lore de Resident Evil en soi, je le connais pas des masses. J'aime beaucoup le bestiaire parce qu'il est très fourni. Mais l'histoire du 3, franchement, je connais rien de rien. Pour être honnête, en fait, mon premier contact avec la licence, ça a été par le premier film. Je connaissais la licence de réputation, donc le film, j'ai trouvé que c'était de la merde, déjà de base. Et franchement, il est pas génial. Et bien sûr, j'ai activé la tenue classique. Je me suis dit, bah, allez, on va se faire plaisir. Et c'est plutôt bien. Donc voilà, donc Resident Evil 3, l'histoire, pour moi, ça se résume au deuxième film. Hein. Donc, jetez-moi des cacahuètes, des pierres, des tomates pourries. Hein. J'assume totalement, de toute façon, la série de films, je les trouve franchement pas... Non, j'arrive. Je les trouve nuls. Allô? Est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi! Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer! Va-t'en de chez toi! Tout de suite! Ok, je me prépare et je... Ah ok! Je me fais attaquer par les SDF dans des sacs classiques! Oh merde! Dès le début! Il vient de péter un mur, c'est pas une porte qui va l'arrêter. Oh merde! Ah, je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi vite. Voilà. Punaise. Déjà que Monsieur X, je détestais croire dans le remake du 2. Je me suis dit que c'est celui qui me stressait le plus déjà, mais... Oh putain! Oh mais sa mère! Ah... Oh non! Oh non! Il est dégueulasse! Wow, c'est... Ah... Putain, on est dans un film Michael Bay. Ah non, c'est action, 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 allez, cours, 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 davaille, davaille, davaille. Mais lâche-moi la grappe.
Objectif qui s'est... J'adhère totalement. Il arrive. Ça va? C'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seules. C'est comme Harkley. Et en pire. Ah, les films. Les Sœurs. Alors, courir, c'est ça. Mars, c'est ça. Impossible que tant de personnes soient infectées. Fan de Hanouna! Mais lâche-moi! Lâche-moi! Oh non, mais... Ok. Je suis une quiche! Lorraine. Je suis mort en deux secondes, quoi. Merde. Ouais bon, j'ai arrêté de gâcher les munitions, c'est vrai, je suis complètement con. Le but c'est pas de les buter. Le but c'est pas de les tuer, d'autant que là j'ai déjà claqué toutes mes balles pour rien. Les abrutis. Je me sens un peu moins tout nul. Ah non mais... Ah non, 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 non. Ça par contre c'est un truc que je supporte pas. Je déteste les chiens zombies là-dedans. Sa guérite. Ah! Punaise! Merde! Vite! Yeah.
autant le 2, ça va, on pouvait y aller un petit peu pépère, autant ici. Alors graphiquement ça pète, mais j'ai pas pu le mettre au maximum. C'est une horreur pour savoir que ça marche pas. Tu vas voir ta gueule, enfoiré. T'avais pas mis ta ceinture. Normalement, là, je sais pas si t'es encore vivante, IRL. C'est un gars. Oh putain. C'est Spawn! Bordel, quoi. Oh, le design! What the... Oh merde. Hey, tout va bien. Je suis là. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. En sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Crains rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Nemesis a quand même arrêté un missile. Il a arrêté un missile avec une tentacule, quoi. Ah, y a pas de... Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non merci. Je te laisse. Oh, y a pas de mouvement de bouche pendant qu'il parle. Avec moi, tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça. Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Viens. Allez, c'est par là. Dinobites. C'est pas un vieux jeu vidéo, ça? Ou un vieux bonbon? Charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Mikhail Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils.
Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Mais je fais ça pour eux, pas pour vous. Hé, hey, oh! On veut tous la même chose. Merci, Jim. Bon, super flic. Prends ça. Ça servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, un Toki. Pas perdre de temps. Je suis une femme forte et indépendante. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras le matériel. Alors, par contre, okay. Ce qui me gêne, c'est que... graphiquement, c'est dégueulasse par un moment. Graphisme. L'affichage est bon, le mode de rendu... C'est quoi la différence? Ok. Qualité, taux de rafraîchissement, le framerate est bon, la synchro verticale, je déteste mettre ça normalement vu que ça bouffe. C'est pas grave. Ralenti-aliasing. Honnêtement, je sais pas la différence entre les deux là. Bon, je vais le laisser comme ça, qualité élevée. Ouais, d'accord. Bon, on va le mettre à. Mettre à 1 giga, comme ça, voilà. Vitrage texture élevé. Bon, on va le mettre en x8. Qualité des mails, je sais pas ce que c'est. Ça. Mettre au max. Le PC va bouffer, mais bon, tant pis. J'aimerais que ce soit quand même. Bref. J'aimerais que ce soit quand même propre, en fait. Mais désolé, je prends un peu de temps pour ça, mais bon, par contre, le bloom, ouais, je le laisse, mais... Lens flare, flou cinétique, ça, je déteste, donc dégage. La distorsion de la lentille... Voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose? On dirait pas. On verra bien. Je vais faire une vérif. Et j'aurais dû faire ça avant, mais... Bon, je vais le laisser comme ça. J'aurais dû faire ça plus tôt, je suis désolé. Mais j'ai déjà eu assez de mal à le faire. À faire en sorte que l'enregistreur tourne avec. Il y avait quelques petits soucis. Enfin, il ne prenait pas l'image directement. Blabla, oui, ça je m'en fous, c'est le truc des mélanges, je ferai au pifomètre. Là y'a rien, là y'a rien.
Alors bien sûr, on est en difficulté normale. Alors mec, t'avais dit qu'il y avait du matos, j'ai rien trouvé. Ou alors je cherche comme une quiche. Page un tabloïd. Alors... Le 25 septembre à l'aube, le commissariat de Raccoon City a reçu un appel d'un citoyen terrorisé témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré. Voilà. Alors, je me demande par contre, c'est pas... chronologiquement, quand ça se passe par rapport aux événements du Resident Evil 2. Est-ce que c'est en même temps ou un petit peu après? Ou un peu avant? Ce qui m'étonnerait. Ah d'accord. Et on n'a pas le suite, on n'a pas le suite. Mais ça me semblerait quand même un peu gonflé qu'il y ait à la fois Mr. X et Nemesis dans la vie en même temps. C'est Carlos. Il est sorti de la station ? Presque. C'est quoi le plan alors ? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? Et comment je fais ça ? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. La bœuf ! Yes, de la poudre noire. Je peux faire des munitions. J'ai que deux balles. J'ai que deux balles. C'est par où? Le... Alors, la carte, voilà. Voilà, l'inventaire. Combien les objets, blabla, on s'en fout. Voilà. Bon, je me réhabitue. Attendez, c'est... Ah, ce sont les coffres, ça, d'accord. Donc on range dans, des... dans ces trucs-là. Les plantes, oui, pour faire... C'est vrai, pour... faire... Hop. Des soins. Antipoison et compagnie. C'est quoi ça? J'ai l'impression que je pourrais faire marcher ça en mettant quelque chose à l'intérieur. Ouais. Ah, et une sauvegarde. Attendez, j'ai loupé un épisode. Donc, oh non, on a le coffre, et là c'est... Oh bordel, faut la clé. D'accord. Un clé ou un coupe-boulon? Un clé. Une clé, pardon. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Alors le tout, ça va être... Alors le RB, c'est où déjà? Je retiens pas ces touches-là, moi. Je suis vraiment une quiche. L'ombre qui est... Oh la vache, c'est... Je peux pas proposer du... graphisme nec plus ultra. Merci. Et reste à terre. Donc il faut... C'est cadenassé. Ah, là il faut le coup de boulon. Certainement. Je suis en train de chercher comment faire péter ce machin, mais... Bon bah... Une balle pour ça, quoi. Carlos, je suis dans la rue principale. Faut que j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir...
devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, celle qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. On va te faire voir. Le mec, il drague. On est en apocalypse zombie, toi tu dragouilles, non mais t'as pas l'air con, quoi. Alors il faut pour allumer le... Mais juste non, quoi. Punaise, j'ai pas envie de claquer toutes mes balles comme dans le 2. J'ai trop tendance à tirer sur les cibles. Allez, fais un headshot. Voilà, merci. 2 balles. Allez. Déjà combiné. Voilà, munitions, on en a. Oh merde. Holy. Dites-moi que c'est ouvert, dites-moi que c'est ouvert. Yes. Elle était dedans là, arrêtez. Ah, 3 balles. Elle se balade avec un tuyau d'incendie sur elle. Normal. Bon, la logique du jeu vidéo. Alors, est-ce que je peux trouver des trucs intéressants? Mode d'emploi. Un fusil à pompe au cas où le situé de... Coupez la chaîne et sortez-le de sa cage. L'armoire à l'abri des éventuels pires. Ok. Là. Donc là, il va me falloir... Oh, Chihuahua. Bonjour, toi. Et de la poudre noire. Ok, donc il y a un shotgun ici, mais je dois pouvoir l'ouvrir. Ah, il est là. Voilà. Mais du coup, il y a un truc à ouvrir. Ce sont les clés, les codes, je sais plus. On va y aller calmeuse. Ça doit être les bureaux de la compagnie de métro. Oh bordel, l'ambiance est super... c'est glaçant, quoi. Les célèbres donuts. Alors. Il se passe rien. Bah, logique. Alors. En cas de coupure de courant, le métro cessera automatiquement de fonctionner. Une fois l'électricité rétablie, veuillez utiliser le panneau de contrôle pour confirmer les gares dans lesquelles le train s'arrêtera ainsi que les voies utilisées. Oh la vache. Ok. Donc faudra que je fasse gaffe à ça. J'ai pas ce qu'il faut, y a rien d'autre quelque part. Non, y a rien. Attendez, il s'est relevé? Allez, je panique pour rien. Sérieux. Le pire, c'est ici l'or. Allez. Ici au-dessus, peut-être. Alors là, c'est bloqué. Puis j'espère qu'il n'y a pas de liqueurs dans ce jeu. Il y a beaucoup de bestioles que je déteste là-dedans. Ah!
Ah, le con. Et je suis nul pour ce qui est de tirer à la manette, c'est ça le pire. Voilà. Là, normalement, c'est... Oh, mais il est sérieux ? Il y a un bubblehead dans le coin. Je sais pas si ça permet de rapporter vraiment quelque chose, hein, mais... Bon, et puis zut. Journal du pharmacien. Nouveau tonique capillaire d'Umbrella se vend comme des petits pains. Leurs produits font toujours des miracles. Hein. Commander une grande quantité, mon frère ne me trompe jamais. Et avec le bouche à oreille, les ventes ne sont pas prêtes de s'arrêter. Ce qui m'inquiète par contre, ce sont les actes de violence dont on parle en ce moment aux infos. Un coffre pour mettre son magot. Secret, aquacure, etc. La poudre noire. On va refaire des balles. Ah non, j'en ai qu'une. Ah oui. T'es distrait, mon vieux Eryx, t'es distrait. Donc là, il me faut la combinaison entre Aquacure et moi. Non, je vais juste un petit peu tourner ici. Je réfléchis. Aquacure, c'est peu, c'est... Je suis sûr que c'est une peinture ou un truc du genre. Ou un produit pharmaceutique peut-être. Bon, on verra. Donc on va essayer de mémoriser. Donc il y a un shotgun à choper. Etc, etc. Là c'est pour aller au crabe croustillant. Oh, mais merde! Me touche pas, salopard! Allez, hop! Oh la vache! Oh! Le headshot explosif. Notre inventaire est plein. Oh, ça y est, ça commence. Oh non. Bon, de notre côté... Alors, un raccourci. Non. Attendez. Avant... de faire ça, parce que je sens qu'il va y avoir des trucs à faire, du coup. Donc ici, j'avais fait la caisse. Avant de faire ça... J'ai exploré un petit peu. Je vais essayer de pas faire un épisode trop long non plus, en plus. Ah ok, donc j'arrive ici. Ok. On va remonter. Ok, en fait, on avait plusieurs passages possibles. Ah, ça c'est cool.
contre, voyons un peu la map. Donc là, il y a le coffre, la boutique de donuts. Ah, des munitions pour pistolet ici, que j'ai loupé. Ici, il n'y a rien. La compagnie de métro, armoire à fusil, cadenas, panneau de contrôle, c'est bon. Attendez, c'est le... ouais, c'est la poudre noire, ça. En fait, j'hésite. J'hésite un chouïa. Je vais repasser par la boutique de donuts. Il y a un bâtiment que je n'avais pas visité, je crois. Donc, je vais le faire. Bye bye. J'ai pas été voir derrière. Quand j'ai derrière, c'est ici. Alors ici, il y a un truc. Alors, plante verte. Combiné, merci. Un écrin. Ah ah. Ben voilà. Alors déjà, on va déposer ça, voilà, parce que je pense pas en avoir besoin. On va prendre l'écrin. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà, on va l'examiner. On recommence, machin. Voilà. Un faux rubis. Ah, je crois savoir où il va. Du coup, on va sauvegarder. J'ai pas envie de regarder le timer, en fait, je pense que je suis un petit peu juste. Bon, on a sauvegardé, on va juste les voir. Si comme je le pensais j'ai loupé quelque chose par là, vite fait. Ouais, effectivement. Ninja. Donc là il y a le coffre. J'ai peut-être pas assez regardé dans la rue par contre. Ouais, bien ce qu'il me semble. Loupé. Et avance. D'accord, reste là alors. Elle a l'air quand même blessée. Voilà, d'accord. Mission. Aquacure. Voilà. 9 gauche, 3 droite, 7 gauche. Ok. Voilà, on va faire ça et puis on se quittera là-dessus. Ce sera, je crois que c'est lié. C'est bon, t'es couché toi? Ouais. Alors 9
3. 7. Yay. Et c'est un viseur pour le pistolet. Cool ça. Est-ce que je peux le combiner maintenant? Yay. Ah, parfait. Perfecto. Voilà, et donc là maintenant par contre je vais retourner sauvegarder. Je sais même plus où c'était. Oui, l'arrière du crabe. Enfin pas du crabe mais... On se comprend. Allez, cours. Voilà. Et ici, on est à l'abri. Je regarde l'inventaire. Oui, ça va. Ça va, ça va. Voilà, et on va du coup se quitter là-dessus. Alors, je ne sais pas comment je vais étaler les épisodes. Je pense essayer d'en faire un pour demain. Et peut-être un pour dimanche, exceptionnellement. Le jeu vient de sortir, alors autant se faire plaisir. Mais il y a des chances que je les sorte tous les mardis. Ah oui, ça, je verrai bien. Je verrai bien. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !